Yo tout le monde, c'est Infimous. Écoutez, j'espère que vous allez super bien, surtout aujourd'hui, en ce jeudi 4 mai, après une petite commande le 29 avril, donc le jour de la sortie du Lego 75144 Snow Speeder UCS. Il est enfin arrivé à la bonne destination, donc c'est un petit peu le moment fatidique. Bon, j'ai arraché l'étiquette évidemment pour que vous ne voyez pas mon adresse, ça semble un petit peu logique. Donc c'est parti les gars, réédition du set de 2003, 1746 pièces je pense. Alors, nous avons d'abord un petit Snow Speeder qui s'est invité à la partie. Bon, voilà. Ceci, c'est du papier bulle. Ça y est, ça y est. Alors, voilà, la facture. Et ça y est, les gars. La voilà. Alors, attendez, je vais essayer de faire ça délicatement. Voilà, on va juste virer la boîte en carton. Magnifique boîte, putain. C'est énorme. Voilà. C'est parti. Donc, Lego 75144. À côté du 75049, donc Snow Speeder, voilà. Donc le petit et le gros. Lui, c'est une réédition du set de 2003. Il fait donc 1745 pièces, je pense. Hop là, c'est parti. Donc, vous voyez, quand même, vraiment, c'est. Putain, c'est vraiment beau. Franchement, là, je suis vraiment content. Bon, 230 euros quand même, hein, les gars. Donc, c'est pas rien, hein, franchement. Lego, je trouve que depuis que ça a été racheté par Disney, si on voit certainement le logo Disney en bas de la boîte à la face avant. Ouais, évidemment. Depuis qu'il y a ce logo-là sur la boîte, les prix des Lego, ils font comme ça. Anciennement, pour donner un exemple, un titre indicatif, hein, ce Lego-ci que vous voyez, donc l'étoile de la mort, elle fait 3400 pièces. Je l'ai payé presque 300, enfin 180 euros parce qu'elle était en solde, mais elle coûtait 300 euros sur le site. Le destroyer d'un mètre de long, il coûtait, enfin il fait 3300 pièces, quelque chose comme ceci. Et il fait, je ne dis pas de bêtises, j'ai payé 290 euros, voilà. Vous avez le Faucon Millenium qui fait là-bas 5500 pièces, enfin non, 5200, j'ai payé 550. 1000 pièces, 80 euros. Le Destroyer 10030 qui est là encore en morceaux, je l'ai payé combien? 400 euros pour 3000 pièces. Bon, là c'est un peu plus cher, mais c'est des grosses pièces. Il y a le petit 10026 que vous voyez là-bas en jaune, Naboo 1, 25 euros à l'époque. Et là, le X-Wing, bon, lui, déjà 220 pour 1500 pièces. Hein. Donc, vous voyez, 6700, 230, ben, ça commence à monter. Enfin, soit, c'est parti. On va ouvrir la boîte. Alors, je devrais avoir. Voilà. J'ai pris de quoi l'ouvrir. On va l'ouvrir ben, de ce côté-ci. D'abord, c'est virer la petite boîte. Elle fera le timelapse. Elle y participera, mais plus tard. Donc, d'abord, c'est le moment fatidique. Voilà, le moment fatidique est enfin là, les gars. Attention. Hop. C'est parti. À nous le fameux premier set UCS de 2017. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh là là. Oh. Ça va être. Alors là, ça sera la plaque UCS avec déjà quelques sachets. Voilà, bah, attendez, je suis tout sorti, ce sera plus simple. Je vais retourner la boîte, ça sera 1000 fois plus simple pour nous. Hop. On m'a déjà. Oula! Il y a une pièce qui est tombée. C'est tout? Ouais, c'est tout. Alors, on a une grosse pièce aussi. On a. Ah oui, le fameux manuel qui est vraiment très épais. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça 2 petites secondes. Voilà, je l'ai. Alors, vraiment la plaque des stickers. Alors, j'ai eu le 25 961e sur 6 169 990. Ben, ça va, je fais partie des premiers. Et alors, le manuel, il est vraiment beau, franchement. Il commence, je suis sûr, par. Ah, bah ouais. Ça, c'est bien. Une petite introduction sur le Snow Speeder. C'est. Ah, ouais, c'est vachement bien fait.
franchement c'est stylé ça. Et il fait au total, oh putain, nom de Dieu, il fait, waouh, il y a 400, attendez, attendez que je compte bien, il y a 462 étapes pour 300 pages. Eh ben écoutez les amis.
C'est fini, c'est quitté, voilà, après quelques heures de montage, je dirais environ 3h30, 4h de montage, on se retrouve donc pour le résultat du Lego 75144 UCS Snow Speeder, et à côté le 75049, le Snow Speeder. Alors pourquoi est-ce que j'ai cette boîte-là en plus? Au début de la vidéo, j'ai dit, oh, une boîte qui s'est invitée, alors faut savoir qu'elle n'est plus disponible chez Lego depuis 2 ans. C'est moi en fait qui ai ouvert le colis, j'ai donné, normalement j'ai reçu un petit polybag R2D2. Je le montrais une fois en vidéo, en fait j'ai donné à ma copine qui aimait R2, donc voilà pourquoi est-ce que je n'ai pas présenté ici. Donc j'ai remplacé le petit polybag R2 par le petit Snow Speeder, on va dire version enfant, pour pouvoir un petit peu comparer avec la version adulte. Donc on va d'abord commencer peut-être par quoi? Bah, par les manuels, donc vous voyez bien la différence, en même temps 250 pièces, 1746 je pense, voilà. Donc vous voyez, rien que ça la différence, hein, c'est du A4. C'est bien imprimé, ce qui est vraiment bien pour une fois, c'est qu'on a une instruction, enfin une étape par page. Ouais, ou en l'occurrence ici deux, parce que c'est un. Bah non, non, parfois il y a deux, j'ai rien dit. C'est non. C'est un numéro par étape, pardon. Vous avez par exemple le pied, toute la base du pied qui compte pour l'étape 1, puis après ça fait la 2, non. Voilà. Alors on va commencer peut-être donc par l'étiquette, donc d'abord du Snow Speeder Collector. Donc T47 Air Speeder, Manufacture Income Corporation. Longueur 5,3 mètres, moteur des caries D49 moteur à répulsion, afterburner, donc post-combustion, ouais, enfin, on va dire post-combusteur, entre guillemets, Income 5i.2 à ion, vitesse maximale 1100 km/h avec une altitude de 175 mètres. Alors, les 1100 km d'altitude, j'y crois pas trop parce que dans l'ancien, c'était pas cette vitesse-là, donc enfin, dans le modèle du 10129, donc ça sera un petit peu à revoir ce qu'ils diront. Enfin, soit. Sinon, au niveau d'armes, on a deux CEC AP11, donc des doubles canons laser ici. On a un light repeating, un petit canon blaster ici à répétition et un canon à harpon. Un pilote et un artilleur d'équipage et 10 kg de cargo. Alors, le Snow Speeder mesure 40 cm sur 30 de large, plus ou moins 20 à, ouais, 21 ou 25 de haut. Donc si vous regardez, c'est vraiment une belle bête. Hein, là, y a... Regardez quand même par rapport à la taille de ma main. C'est relativement gros. On va commencer par quoi? Peut-être par ouais. On va faire un petit tour vite fait du Snow Speeder. Donc dans l'ensemble, il est vraiment bien fait. On va commencer ici. À l'arrière, on a des ailerons, enfin les aérofreins. Qui, bon, les mains, c'est pas évident, mais qui sont rotatifs. Voilà. On va perdre, ouais. Par contre, le pin n'est pas très stable. Hein, ça, c'est le problème que je soulève pour ce Lego. C'est que vous secouez un peu et il part comme ça. Donc ça, vous avez maintenant ici, donc là, la partie vraiment qui est bien détaillée. Bah, vous avez ici le, je pense c'est le moteur, enfin ou la turbine pour les canons. Regardez bien. Si on tourne la poignée, quand je retrouvais le bon sens, ah, elle veut plus s'ouvrir, tiens. Ou alors c'est parce que j'ai la tête coincée. Ah, un instant. Ah ouais, d'accord, j'ai compris, c'est parce que j'ai mis une pièce qu'il fallait pas. J'ai voulu remettre un petit carré blanc, non, ça, j'ai compris, c'est ma faute. Donc ici nous avons ben voilà un petit peu un système de moteur et turbine qui est vraiment bien fait. Oh, ouais, c'est rien. Je remettrai ça juste après. Ouais, donc on a compris un peu le système, donc c'est relativement bien fait. Vous avez un petit peu des micro-turbines entre guillemets, hein, c'est bien dessiné. On va dire bravo à Lego pour le coup. Au niveau de l'avant. Donc il y a ici, hop, on va se peut soulever le cockpit. Il est vraiment super bien taillé, les sièges sont vachement grands. Il y a des petits canons blaster. Et la plus belle chose, alors vous allez voir, l'écran ici de contrôle de tir du canon blaster. Regardez bien, si j'incline un petit peu l'écran, hop, vous avez la tourelle qui bouge. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il est assez en dessous, bon, il n'y a pas énormément à dire dans l'ensemble. C'est vraiment un Lego que je conseille à tous ceux qui n'ont pas pu s'acheter la version du 10129. Parce que bon, bah, il est bien, il est amélioré, voilà. Sinon, au niveau du petit Snow Speeder, bah, on a ici bah, un petit Snow Trooper avec une tourelle. Attends, toi, tu vas là. Voilà, je reclipse juste le rebelle de mon Snow Speeder UCS. De nouveau, on a Luke qui est d'Akaltar. Et c'est un peu le même principe, hein, vous voyez les ailettes, enfin tout ça, bon, évidemment, c'est miniaturisé, mais. Dans l'ensemble, c'est le même principe. Donc sinon, ben, je vous dis, ben, prenez soin de vous. À la prochaine. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ce timelapse vous aura plu. Il m'a pris quand même longtemps à faire. Et je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, bye bye les amis.